Quand je vous disais que Nasra c'était un vendu, un minable, un indigne. Aujourd'hui, vous avez les preuves devant vous. Il arrive là et il parle de l'instruction. Les vrais problèmes du Tchad, il n'ose pas les toucher. Pourquoi? Parce que c'est un nègre de salon. Le petit débit, toi, ils ont tué ton père. On te place là et tu continues à jouer pour eux. Mais moi, je me demande si c'est une malédiction. Vous, Tchadiens, vous allez voter ou Nasra ou débit. Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? Vous-même réfléchissez. Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? Nasser est en train de vous mentir pour vous prendre pour des imbéciles. Depuis, lui est totalement étendu, soumis à eux. Quand les vrais problèmes du Tchad, nous les savons. Qui sont les problèmes du Mali? Qui sont les problèmes du Burkina? Qui sont les problèmes du Niger? Qui sont les problèmes de la Côte d'Ivoire? Donc, ne perdez même pas votre temps à aller aux élections. Donc, c'est à vous de comprendre. Normalement, les Tchadiens ne doivent même pas aller aux élections. Vous ne devez même pas vous présenter dans les urnes. Les urnes doivent être vides. Laissez Nasra et son compagnon faire leur petit jeu. Mais comme les Africains sont inconscients, les Africains sont bloqués dans des logiques ethniques, dans des logiques religieuses, pour des miettes, on vous donne, vous partez voter des malfrats, des voyous qui vont s'enrichir, eux et leurs familles, pendant que les marchands de la monnaie et de la dette continueront à piller le Tchad, à faire du Tchad une base militaire étrangère. Votre destin est dans votre main. Aujourd'hui en Afrique, personne ne peut dire je ne sais pas. Parce que des va-nu-pieds comme Nasra, ils peuvent plus tromper quelqu'un. Des va-nu-pieds comme Tidiane Thiam, qui sont en train de tenter, mais ça fait honte. Le PDCI me fait honte. Antidiam Thiam et Ouattara, ils ont les mêmes patrons, ça ne change rien. J'ai pris la parole pour m'adresser directement à Ibé et à Koïta. Vous deux, je ne dis pas les Maliens et les Burkinabés. L'Afrique vous a mis au pouvoir. L'Afrique vous soutient. Et nous vous avons confié une mission. Tant que vous n'aurez pas accompli la mission qui vous a été confiée par les peuples africains, je ne dis pas les Maliens et les Burkinabés, par toute l'Afrique, tant que vous n'avez pas accompli votre mission, personne ne bouge, on ne parle pas d'élection au Mali et au Burkina. Je répète, tant que vous n'avez pas accompli la mission pour laquelle nous vous avons mis au pouvoir, nous vous soutenons et nous sommes prêts à mettre la poitrine pour vous, au Mali et au Burkina, nous ne voulons pas entendre parler d'élections. C'est clair ce que je dis. Je te le dis à toi, Koïta, à toi, Ibé. Vous êtes mes petits frères. Ne jouez pas avec la vie des Africains. Parce que si vous acceptez de vous soumettre aux injonctions de ces marchands de la monnaie et de la dette, de ces gangsters qui sont en train de tuer partout dans le monde pour avoir le contrôle de la richesse mondiale, au détriment de notre peuple qui est tenu en esclavage à travers les instruments financiers, monétaires et toutes les structures qu'ils ont créées, aujourd'hui les Africains le savent. Et ils savent très bien que si quoi que ce soit arrive à Ibé ou à Koïta, les conséquences pour la France, l'Angleterre et les États-Unis en Afrique seront drastiques. Ils le savent. Tous les jours, ils trouvent des nègres, des indignes, des inconscients, prêts à faire tomber Ibé ou Koïta pour prendre leur place, pour permettre à ces impérialistes de venir chez nous, prendre nos richesses et tenir notre peuple dans la misère, mettre nos enfants dans des bateaux, les déporter comme ils ont déporté nos ancêtres dans le passé. Vous restez à votre place. C'est une mission que les peuples africains vous ont confiée. Et la mission, elle est claire. 1. Sortir du franc CFA. 2. Éliminer tous
tous les contrats coloniaux qui ont été signés, qu'ils ont obligé nos anciens dirigeants à signer. Soit le démantèlement de toutes les bases militaires françaises, c'est-à-dire françaises, italiennes, américaines, tout ce qui est de l'Occident, du territoire africain. En Afrique, ne resteront que ceux que nous avons appelés pour nous aider à nous libérer. Dans leur projet, l'Afrique n'est rien d'autre que le réservoir des matières premières et les Africains des esclaves au service de leurs ambitions impérialistes. C'est-à-dire, nous on est là, on cultive, ils prennent nos cultures, ils vont avec. On travaille dans les mines, ils prennent nos richesses, ils vont avec. Il faut que nos peuples s'élèvent. Partout dans le monde, il y a des manifestations pour la Palestine. Toute l'Afrique a soutenu la Palestine. Mais nous, qui nous soutient? Qui nous soutient, nous? Si notre peuple s'élève, ils n'auront pas le choix. Je vous ai dit, la France a fui le Burkina et le Mali. Pourquoi? Parce que le peuple s'est levé. Et j'ai dit aux dirigeants du Niger, je vois vous tirer des photos avec des Noirs américains. Ceux-là, on a la même couleur de peau, mais ils ont trahi les Noirs américains sur le sol américain. Ils font partie du système. Les États-Unis, leur base américaine au Niger, doivent être fermées immédiatement, sans condition. Mais pourquoi? Ils sont supérieurs à nous. Pour quelles raisons ces patraciens-là viennent sur notre territoire, s'asseoir, mettre les bases militaires, et vous êtes là, vous dites que vous êtes en train de faire une révolution, pendant que vous laissez les négriers à l'intérieur de notre territoire? Au Mali et au Burkina, on ne parle pas d'élection. Je le dis à la jeunesse malienne et burkinabé. Quiconque, comme politicien ou ces batraciens qui se font appeler intellectuels, ouvre la bouche au Mali ou au Burkina pour parler d'élection. Tapez-moi ça! Soignez-moi ça! Ce qu'ils ont fait dans le passé, comment ils ont fait pour tuer Sankara là? Ils n'ont qu'à essayer quoi que ce soit contre Koïta ou Ibé. Ils vont le regretter. Nous ne toucherons aucun citoyen occidental parce que moi je connais le système. Ils ne vont pas nous permettre d'avoir de la haine pour nos frères français, italiens, allemands. Non, ils sont victimes autant que nous. Bon Dieu, au Mali et au Burkina, même si c'est 10 ans, on va taper 10 ans. Si c'est 15 ans, on va taper 15 ans. Koïta, Ibé, vous avez une mission que le peuple africain vous a confiée. Sortir du franc CFA, démanteler toutes les bases militaires étrangères de notre territoire et enclencher le développement industriel de nos pays. Nos matières premières seront transformées sur notre territoire. Nos matières premières seront transformées sur notre territoire sous le contrôle de nos États. Celui qui ose parler d'élection au Mali, c'est un lâche, c'est un traître. Au Burkina, c'est la même chose. Au Niger, je vous dis, vous voulez notre soutien? Commencez d'abord à chasser l'Amérique. Tant que les bases américaines seront présentes au Niger, vous, moi, mon soutien, vous ne l'aurez pas. Parce que vous pouvez blaguer les Nigériens, moi, vous ne pouvez pas me blaguer. Et vous aurez affaire à moi. Parce que chaque jour que je vais me lever, Tiani, je vais te toucher. Fais ce que notre peuple te demande. Fais ce que le Niger veut. Les Américains doivent dégager du Niger. On dit Koïta, non, les militaires ne peuvent pas se présenter. Mais le petit Déby peut se présenter. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'honore pas, il n'est pas en train d'honorer l'assassinat de son père. Il n'est pas en train d'honorer la mémoire de son père. Parce que Déby, dans ses derniers jours, a commencé à prendre des positions face aux Occidentaux. Voilà pourquoi ils l'ont fait assassiner. Nous sommes en guerre, nous devons nous défendre. Et si jamais l'Union européenne ouvre la bouche pour parler d'élections au Mali, ou au Niger, ou au Burkina, levons-nous, allons devant leurs ambassades. Et parlons-leur clairement devant le monde entier. Foutez-nous la paix. Nous sommes Africains. Nous vivons selon un paradigme africain. Notre pays sont attaqués par vous. Nous savons toute la vérité. Et vous savez que nous savons la vérité. Mais comme vous êtes des criminels, des assassins, des batraciens, des satanistes, incapables d'arrêter parce que vous vivez de ça. Vous avez commis des génocides partout. On dit la plus grande démocratie du monde quand en réalité les États-Unis n'est rien d'autre qu'une plutocratie, c'est-à-dire un gouvernement des riches, tous des voleurs et des truands dans la politique américaine. Regardez tout ce qui est en train de sortir sur la famille Clinton, sur Barack Obama et compagnie. Je poste tout sur mon canal Telegram, allez regarder. Le monde entier est en train de trembler aujourd'hui parce qu'on sait que toutes les élites sont pédosatanistes.